Chers amis, chers paroissiens, bonjour. Nous ne pouvons pas nous retrouver pour l'assemblée dominicale. Cependant, quand nous expliquons aux enfants à la première communion ce qu'est la messe, nous leur disons qu'il y a quatre temps. Un de ces temps, c'est la parole de Dieu. Alors nous ne pouvons pas communier, mais nous pouvons, ensemble, chez nous, partager cette parole. Bien sûr, il est possible de partager cette parole à tout instant. Mais notre objectif, c'est de faire communauté. Aussi, je vous invite, si vous le pouvez, à plutôt privilégier le dimanche matin à 10h30, qui est le temps de la célébration eucharistique dans notre secteur. Allons même un peu plus loin. Pour véritablement faire communauté, je vous invite, avant de visionner cette vidéo, d'appeler un proche, un ami, un parent, pour lui donner rendez-vous, et que de chez elle, cette personne puisse visionner en même temps que vous la parole vivante de Dieu. Vous pourrez à ce moment-là faire pause après l'homélie pour vous appeler au téléphone ou par Skype ou tout autre moyen pour partager cette parole. Ainsi, nous pourrons faire de ces temps d'épreuve une chance pour redécouvrir la puissance de la parole de Dieu qui est vivante en nos cœurs. Prenez soin de vous, de l'autre et de Dieu. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau.
Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» C'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres. Mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur.
car le royaume des cieux est semblable à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Nous venons d'entendre la parabole des talents. Ma méditation m'a amené à regarder de plus près ce troisième personnage qui reçoit 1 talent et va l'enfouir sous terre. Il faut savoir déjà que 1 talent, c'est pas n'importe quoi. Ça représenterait à peu près 20 années de salaire. Pourquoi cet homme va-t-il enfouir ce talent au lieu de le faire fructifier? Eh bien, je crois que tout se joue dans le regard que cet homme pose sur son maître. Il le dit lui-même. J'ai eu peur, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Et tout le problème de cet homme vient de là. Le regard qu'il pose sur Dieu. C'est un regard qui enferme. C'est un regard qui empêche la relation. C'est l'exact inverse du regard que Dieu pose sur chacun d'entre nous. Quand je prépare les fiancés au mariage, j'aime bien leur parler de ce que j'appelle le regard de contemplation. Pour moi, le regard de contemplation, c'est un regard qui fait grandir l'autre. Je te regarde et je te dis combien tu es beau, combien tu es belle, combien tu es grand, combien tu es fort, combien tu es bon. Et ce regard-là, je vais l'appuyer sur le regard de Dieu. Et parce que je regarde cette personne de cette façon-là, l'autre va se sentir grandi, va être épanoui. Et cette personne va à son tour être capable de poser ce même regard de contemplation sur moi.
Je prends l'exemple de l'enfant que l'on n'arrête pas d'insulter, de dire qu'il est mauvais, qu'il ne sait rien faire, qu'il a deux pieds gauches, que jamais il n'arrivera à rien. Comment cet enfant peut-il s'épanouir? Alors que si au contraire je lui dis « Tu as raté cette fois-ci, mais j'ai vu que tu as fait un effort, c'est bien, continue, tu vas réussir. » Il va sentir dans le regard de ses parents un amour véritable, une confiance, et il va se sentir épanoui, grandir. Il va accepter ce regard sur lui, et ça va l'aider à grandir. Alors, est-ce que ça aide Dieu à grandir, le regard que je pose sur lui? C'est une autre question. Mais par contre, le fait de ne pas regarder l'autre de cette façon-là, eh bien, m'empêche de recevoir le regard d'amour de Dieu sur moi. Je suis incapable de comprendre, de recevoir ce regard d'amour. J'ai enfermé Dieu dans une relation et je l'en empêche d'en sortir. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne peut plus rien pour moi. C'est pour ça que l'on voit que cet homme-là, eh bien, même ce qu'il a, lui sera retiré. Parce que ce qu'il a, ce n'est pas de l'amour. Ce qu'il a, ce n'est pas un regard positif, bienveillant envers Dieu. Ce n'est pas un regard de foi. Et Dieu n'y peut rien. C'est ma propre liberté. Si seulement il avait su sortir de ce regard. Mais après avoir regardé ce troisième personnage, ma méditation m'a aussi amené à regarder un petit élément de cette parabole. Quand le maître dit au premier et au deuxième personnage, « Entre dans la joie de ton maître. » Voilà sa récompense. Déjà, ce que nous dit Jésus à travers cette parabole, c'est que Dieu est joie. Et ce serait peut-être intéressant de temps en temps de se rappeler qu'au lieu de se morfondre, il faudrait aussi profiter de la joie de Dieu. Et cette joie de Dieu, elle se produit quand un homme, une femme, eh bien, va utiliser ses talents pour les faire fructifier. Quand cet homme va devenir, ce que j'aime bien appeler, co-auteur de sa vie. Dieu m'a donné des talents et moi, je les fais fructifier. Et ça, ça remplit Dieu de joie. Et donc, en tant que disciple du Christ, je suis amené moi-même à être dans cette joie de Dieu quand je vois autour de moi tant de gens, tant d'enfants, tant d'adultes, de personnes âgées, de toutes sortes, remplir leur mission. Oh, des fois, pas grand-chose, des petites choses, des fois des choses merveilleuses. Mais quand je me dis que en contemplant cela, Dieu a le cœur en joie, voilà quelque chose qui peut me mettre en route. Voilà quelque chose qui peut déclencher en moi ce regard de contemplation sur l'autre. Entre dans la joie de ton maître. Ce que me révèle cette parabole aujourd'hui, ce que je voudrais en retenir, c'est d'abord le mot « joie ». Entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur me propose un chemin pour entrer dans cette joie. Il me dit, voilà, tu as une mission à remplir, mais je t'ai donné la capacité de remplir cette mission. Et si je pose un regard de contemplation sur Dieu, si je sais que ce qu'il me dit est vrai et bon pour moi, alors peut-être que je vais trouver en moi la ressource nécessaire pour avancer sur le chemin qu'il me propose, quel qu'il soit. Alors peut-être que cette parabole m'invite à rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il m'a données, pour les merveilles que je vais encore pouvoir accomplir tout au long de ma vie, les petites et les grandes. Il est temps de quitter nos tombeaux. Et au passage, on peut récupérer le talent que nous avions enfoui sous terre et l'amener avec nous. Je vous propose maintenant de commencer
le débat, l'échange autour de la parole de Dieu, autour de cette parabole. Je vous invite à faire pause, puis peut-être à réfléchir à une question. Si j'avais la chance de rencontrer ce troisième personnage qui a enfoui son talent sous terre, quels seraient les arguments que je prendrais pour l'amener à devenir à son tour quelqu'un qui porte du fruit? Qu'est-ce que je lui dirais de sa relation à Dieu, du regard qu'il pose sur Dieu? Si cette question ne vous inspire pas, prenez la vôtre, prenez les vôtres, et prenez le temps de partager. Prenez soin de vous, de l'autre et de Dieu.
dans cette période difficile nous obligeant à l'isolement, que notre Église à travers le monde reste unie par la prière avec notre pape, nos évêques, nos prêtres et nos religieux. Seigneur, nous te prions. En ce moment de crise, que le Seigneur puisse aider nos dirigeants à prendre les bonnes décisions pour le bien de tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, protège nos aînés et les plus fragiles face à la maladie. Que le confinement ne soit pas synonyme d'isolement social. Seigneur, aide-nous à aller vers les autres. Seigneur, nous te prions. Avec cette période particulière, notre communauté peut aujourd'hui se retrouver autour de ta parole qui est vivante. Seigneur, aide-nous à être toujours plus créatifs pour nous retrouver. Seigneur, nous te prions. Notre Père, que ton nom soit sanctifié.